Bon, en tout cas, merci vraiment de nous accorder cet entretien, Didier Sandre, dans le cadre donc de ce séminaire Oui. de l'ANRAT que nous organisons. Alors, chaque année, l'ANRAT organise un séminaire dans le cadre du Festival d'Avignon. Oui. Cette année, évidemment, ce Oui. festival est un peu perturbé. Donc, nous avons décidé de célébrer un des rares événements qui a été maintenu, à savoir la sortie le 7 Ah oui, juillet du du DVD. DVD de la captation du Ah, soulier. enfin aussi, c'est presque aussi long que Absolument. l'épopée De l'écriture, il y a l'épopée de l'écriture, de l'épopée du l'écriture, jeu, l'épopée de la captation. Enfin, on a oui, l'impression absolument, qu'on oui. accomplit des exploits Oui, successifs c'est avec cette vrai. affaire. Et donc, on a un petit peu décidé de, comme je dis souvent, de rassembler des morceaux de la vraie croix, pour filer la métaphore protestante. Et donc, vous en êtes un de morceaux, et alors merci, donc on va pouvoir peut-être reconstituer quelque chose. Donc, vous avez joué le rôle principal d'une pièce absolument gigantesque, dans une mise en scène devenue mythique. Bon, ça nous a semblé nécessaire de vous interroger, de vous rencontrer. Et pourtant, avant d'arriver à cet exploit, il nous a semblé, à Caroline et moi, qu'en regardant dans le rétroviseur, vous étiez préparé à cette affaire-là, avec l'entreprise des Molières déjà que vous aviez menée avec Antoine Vitez. On ne peut pas s'empêcher de se dire que dans ces quatre Molières, il y a peut-être quelque chose des quatre journées dans ce projet un peu à la fois énorme et qui ne peut être traversé que par un parcours. Peut-être tu souhaiterais préciser notre Oui, idée. parce que finalement, vous avez souligné qu'avec Vitesse, vous êtes toujours parti dans des entreprises gigantesques. D'abord, effectivement, avec les quatre Molières, et puis ensuite avec le Soulier de Satin. Et Vitesse lui-même a dit que ces Molières, enfin ces quatre Molières, il considérait qu'en fait c'était une seule pièce, Oui. véritablement avec quatre actes, vraiment. Et qu'à l'intérieur de ces quatre pièces, bah, c'était chaque comédien avait une sorte de parcours. Vous avez joué Arnolphe Oui. dans L'école des femmes. Oui. Vous avez joué Cléance dans Cléante dans Tartuffe. Tartuffe Monsieur et Dimanche dans Don Juan. Juan. Et Et vous Oronte dans Le remonte, voilà. Misanthrope. Oui. Et quel parcours alors, quel parcours était le vôtre à travers ces Oui. quatre Molières-là? Alors, bon, modestement, je veux aussi dire que j'ai joué Louis-Laine à 20 ans à la Oui. fac de Nanterre. C'était mes premiers pas vers Claudel. Ensuite, j'ai joué la jeune fille Oui. Violaine au théâtre de la Potinière. Donc, il y avait déjà un petit chemin engagé vis-à-vis de l'auteur et de la langue, mais d'une façon un peu, comment Buissonnière. dire, oui, buissonnière. Il a vraiment fallu la rencontre avec cet extraordinaire passeur de texte, de langue, en fait, cet amoureux de la langue française pour nous inoculer le virus. Enfin, en tout cas, oui. Mais je crois beaucoup d'acteurs qui ont travaillé avec Antoine ont été, comme dit Claudel, l'influence a été séminale. Oui. Voilà. Oui, alors les quatre Molières, je jouais Arnolphe et Antoine dit volontiers que ce qu'il aime, c'est monter des pièces pour les acteurs, pour ses acteurs, plus que de monter des personnages. Pour lui, ce sont des portraits. Il fait des portraits d'acteurs quand il demande à Nada Sankar de jouer Elvire, quand il demande à Dominique Valadier de jouer Agnès, etc. Quand il demande à Fontana de jouer Jean-Claude, Tartuffe. oui, jouer Tartuffe, Jean-Claude Durand jouer Don Juan, il disait ça, et quand j'ai joué moi-même Orgon plus tard, je me suis souvenu de cette parole, voir Jean-Claude Durand dans Don Juan. Voilà, c'était un moteur, c'était le moteur qui lui permettait d'élucider sa conception de la pièce, sa compréhension de la pièce, de l'auteur. Mais dans les quatre Molières, comme dans le Soulier de Satin, il y avait très profondément cette préoccupation de l'inscription biographique. Et donc, à travers les quatre pièces de Molière, qui n'étaient pas choisies par hasard, il estimait que ça constituait une espèce de portrait des obsessions de Molière, qu'elles soient comiques ou tragiques, etc. Et évidemment, Arnolphe est un grand utopiste.
dans son projet éducationnel vis-à-vis d'Agnès et la finalité de ce ouf qu'il pousse à la fin, un peu comme Alceste aussi s'en va dans le désert. Il y a cette espèce de portrait de l'absolu, du totalement engagé au bord de la folie, au bord de la destruction. Et je pense que il ne m'en a jamais parlé et nous en sommes jamais parlé. Mais je pense que quand il m'a proposé de jouer Rodrigue, il y avait probablement en lui le souvenir de cette utopie qu'incarnait Arnolf. Et pour aborder cette nouvelle utopie, encore plus folle, encore plus grandiose, encore plus délirante, de ce Rodrigue conquistador qui veut conquérir le monde pour le rendre catholique. Oui, mais catholique dans le sens aussi universel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en quête d'absolu, d'universalité, de globalité, du sens, qui cherche, qui est insatiable au niveau de la quête du sens. Et quand on lit, ce n'est pas que dans Le Soulier de Satin, dans toute l'œuvre de Claudel, il y a une grande interrogation. Enfin, moi je parle du Claudel jusqu'au Soulier de Satin, parce qu'après l'exégète des psaumes, etc., je ne me suis jamais penché sur cette, la deuxième partie de son œuvre, et même les refondes qu'il a fait du partage du midi, ou de l'échange, oui, etc., pour s'adapter au théâtre de l'époque, etc., m'intéresse moins, en fait. Les premières versions, je les trouve beaucoup plus, même l'Annonce faite à Marie, les premières versions qui sont plus rimbaldiennes, qui sont plus folles, qui sont hors contrôle de tout, je trouve sont plus fortes, voilà. Donc voilà, le rapport entre Arnolf, évidemment, et Rodrigue, c'est très très éloigné, mais tous les deux sont porteurs d'une espèce d'utopie. Et probablement qu'intuitivement, je ne sais pas pourquoi, puisqu'on n'a pas eu le temps de s'en parler en fait, je ne sais pas pourquoi, ça a été moi. Je ne sais pas. Voilà. Alors, si on vous invite à remonter encore un petit peu plus avant, en 78, donc dans cette aventure des Molières, c'est parce qu'il nous a semblé que c'était d'abord pour vous, l'occasion de parler peut-être de votre découverte d'Antoine Vitez et de la façon qu'il avait de ne pas diriger les acteurs, mais plutôt de les conduire, afin de les accompagner dans quelque chose qu'il avait envie de voir. En effet, je me souviens avoir lu quelque part qu'il disait qu'il montait des pièces parce qu'il avait envie de voir tel acteur dans tel rôle, et que c'était presque une curiosité affective et esthétique qui le conduisait à produire ses projets. Et puis ça vient aussi du fait que, en regardant une xième fois le soulier, on a été frappé par la similitude entre la pièce, une des scènes de Don Juan, et puis cette scène 7 de la première journée, dans laquelle, avec votre chinois, vous êtes comme Don Juan avec Sganarelle. Et on s'est demandé si cette chose-là était nourrie, ou si c'était Claudel qui s'amusait comme ça à travers le temps. Mais il y a déjà cette belle relation presque filiale entre vous deux. Tout à fait. Est-ce que Daniel Martin en avait conscience? Est-ce que vous aviez monté votre coup? Alors là, il faut expliquer un peu comment cette entreprise de souliers de satin s'est faite. Je veux dire, elle s'est faite au galop, sur les chapeaux de roue, comme vous voulez. On avait très peu de temps pour espérer pouvoir arriver au bout. On a très peu communiqué sur ce genre de choses qui peuvent être essentielles au théâtre, mais qui finalement se résolvent aussi de façon intuitive quand on aborde une scène et qu'on a un peu de théâtre déjà dans le corps, parce que tous les acteurs de Souliers de Satin en avaient déjà sous le pied, comme on dit. Et je pense qu'intuitivement, effectivement, Antoine nous dirigeait avec ces références-là, mais qui n'étaient pas clairement développées parce qu'on n'en avait pas le temps. On n'a jamais été sûr vraiment d'arriver au bout. On a quand même eu que trois mois pour répéter tout ça. C'était dans une insécurité financière, on ne savait pas si... Voilà. Donc, fallait aller au feu, fallait aller au charbon, fallait y aller avant de se poser la question de comment faire. et,
Et Antoine, justement, était très... Moi, je n'ai pas fait le conservatoire avec lui, donc j'étais toujours un peu en intimidation devant cette troupe qui était ses acteurs, en quelque sorte, et moi, un peu avec le sentiment parfois d'être une pièce rapportée, de n'avoir pas la même intimité que les autres acteurs avaient pu avoir avec lui à travers l'enseignement et les classes du conservatoire. Et tellement intimidé par son intelligence, et oui, une intelligence extraordinaire du théâtre, de la compréhension de la chose théâtrale, parfois je lui disais... mais qu'est-ce que je dois faire là, qu'est-ce que je fais, etc. Et il s'est un peu énervé parce que nous n'avions pas beaucoup de temps et il m'a dit, écoute, arrête de me demander comment faire, tu sais faire. Et ça m'est resté, vous voyez, j'y pense encore parce que effectivement, je pense que je savais faire et qu'il aimait me laisser faire, voilà. Et que c'est en fonction de ce que je pouvais faire qu'il pourrait être inspiré d'une chose ou d'une autre. Il ne s'intéressait pas du tout à la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine des acteurs, c'est-à-dire comment, alors est-ce que je te touche, Ludmila, est-ce que je peux te toucher à ce moment-là ou non, je pense que les personnages ne se touchent pas, ils ne peuvent pas se toucher, ils restent à distance, dans une distance sacrée l'un de l'autre, etc. Oui, mais quand même, à un moment donné, peut-être pas. Ça ne l'intéressait pas du tout. Il fallait que nous proposions des choses, nous. Alors, on se voyait dans les couloirs de Chaillot, on répétait, on faisait des choses, on se disait des choses, on discutait, on s'engueulait, non, etc. L'artisanat de l'acteur, quoi, oui, tout ça. Ouais. Ça l'intéressait de voir ce qu'on pouvait produire et de rêver et de décrire le théâtre avec ce qu'il voyait chez ses acteurs. C'était très impressionnant parce qu'en même temps, c'est très particulier parce qu'il pouvait rester des fois, on était là, on avait beaucoup travaillé, on présentait une scène, une fois, donc ça durait quoi, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend. Et puis après, il parlait pendant une heure. Et puis, on passait à une autre scène. Et on était un peu frustrés parce qu'on avait l'impression de ne pas avoir travaillé. Et en même temps, tout ce qu'il avait dit était un matériau extraordinaire pour le développement du travail qu'on avait proposé. Et qu'effectivement, avec Antoine, on n'avait pas besoin de ressasser le be-a-ba, les pas, les petits pas, les petits gestes, etc. Il fallait qu'on trouve en soi l'élan vers la chose, l'élan vers le personnage, l'élan vers la compréhension de la situation. Et sa parole était proprement nourrissante. Et c'était très rare qu'il ait quelque chose à dire, à redire sur ce que nous proposions et en retour de ce qu'il nous avait indiqué, dit. Alors justement, la vertu de ce DVD qui va sortir le 7 juillet, c'est qu'on peut traverser le soulier en sélectionnant ce qu'on a envie de voir ou les personnages qu'on a envie de suivre. C'est ce à quoi on s'est livré, Caroline et moi. Et on vous a complètement pisté, on s'est amusé dans le soulier à ne voir que vos scènes. Oui. Ce qui est extrêmement... troublant, c'est que on vous voit en permanence complètement écartelé par des contradictions terribles entre l'esprit et l'esprit, la spiritualité qu'il faut que vous incarniez et puis cette forme d'athlète qu'il faut que vous ayez en permanence. Enfin, ça, c'est absolument terrible. Ce gigantisme de l'entreprise et puis Antoine qui vous disait, si j'ai bien compris, c'est du théâtre de chambre. Donc oui. Comment foutre quelque chose d'énorme dans une toute petite, oui. Un tout petit espace. Et puis cette sanctification que vous subissez, que voilà, à la fin, dans ce langage complètement trivial aussi, qu'il faut que vous retrouviez le tard des noix quand vous devenez un saint. Oui, enfin, oui. On a l'impression que vous êtes un Christ aux outrages permanent. Oui. Et alors on s'est dit, il faut à tout prix que Didier Sand nous parle de ça, oui, de cette oui. expérience complètement... presque schizophrénique, en fait. Mais déjà, c'est un peu le déchirement de Claudel lui-même. Hein. Sans doute. Ça m'a beaucoup inspiré. Je suis encore très, très, très
interrogé, questionné par ce déchirement intime qu'il n'a cessé dont il n'a cessé de transformer l'expression et la forme. Il y a dans tous ces poèmes, la rose revient, je dirais. Les variations perpétuelles. Et je n'arrête pas d'en découvrir, même encore maintenant, jusqu'à la fin de Celui de Satin. Après, c'est un peu autre chose parce qu'ils se sont beaucoup revus. Il lui a donné beaucoup d'argent. Absolument, oui, oui. Et oui, on rentre dans le théâtre bourgeois après. Oui, c'est ça. Mais quand on lit les lettres à Isée qui sont parues récemment, je veux dire, on voit à quel point il est resté le même homme que sur le bateau. Je veux dire, même à 65 ans, 70 ans, il reste cet amoureux fou de cette femme folle qu'on peut rapprocher aussi d'une certaine figure de sa sœur qui l'a fui toute sa vie, hein, cette espèce de fuite comme ça, perpétuelle à travers la mer, dans les postes diplomatiques, etc. C'est aussi fuir le foyer familial. Le foyer familial était beaucoup dirigé par Camille. Hein, et donc, dans cette femme flamboyante qui était Camille, et cette femme flamboyante qu'il a rencontrée sur le bateau, il y a quelque chose. Déjà dans les Chiel Burnon, en préfigurant, il n'avait pas encore rencontré Rosalie Vetch, mais les Chiel Burnon est une figure de Rosalie Vetch. Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. En fait, on s'interrogeait sur la façon dont vous aviez, vous, vécu ces séismes successifs dans cette traversée du personnage qui va de la gloire du Cid à la déchéance du saint. Alors, ça fait quoi, voilà, ça, sur 12 heures? Vous voyez, quand on propose un acteur de un parcours pareil, à partir de quasiment l'adolescence ou la fin du jeune homme, comme ça, jusqu'à la déchéance, mais une déchéance qui est sanctifiée aussi, qui est presque celle de Rimbaud, marchand d'armes et avec sa jambe de bois d'ailleurs. De figure de saint. Il y a quelque chose de tellement transcendant et tellement, il devient presque pur esprit, quoi. C'est Saint-Benoît l'arbre, c'est la sainteté dans la mendicité, dans la pauvreté. Saint-Jean, mendier des fèves à la porte de Sainte-Thérèse, enfin, à un moment donné. Moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir cherché ça toute ma vie à travers le théâtre. Cette dualité-là, cet écartèlement entre la chair, entre le concret et entre le côté horizontal et le côté vertical, quoi. C'est ben oui, la croix, quoi. La croix. Trois fois rien. Et alors, bon, on peut réfléchir sur ce qu'a été mon éducation, ma formation, etc., etc. Mais en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est pas le pourquoi, c'est comment je fais. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, à un âge avancé, déjà dans le métier et tout ça, ça se précise de plus en plus, et mon retour à Claudel est aussi très très motivé par cet écartèlement entre l'horizontale et la verticale, qui reste pour moi des choses qui me tiennent vraiment à cœur dans le théâtre, dans ma façon de faire du théâtre. C'est un rôle qui détermine finalement presque tout un parcours. Et là, on a l'impression que, en plus, vu vous avez souvent parlé de l'épuisement qu'avait pu être un rôle comme celui-là, et de manière assez curieuse quand même, dans le carnet de bord des lois Recoing, vous dites « je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait ». Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi? Parce que j'ai alors, parlons d'abord de l'épuisement physique. Il est certain que jouer ce genre de texte en Avignon, à une époque où la cour n'était pas sonorisée, hein. Ça a beaucoup changé depuis. Je veux dire, on n'avait vraiment que notre instrument vocal,
avec la chaleur, le mistral, etc. Les corps transpirants, etc., sont très en danger. On était tous sous cortisone hein, à la fin des représentations. Rentrer à l'hôtel à l'heure où on sert les petits déjeuners, se calfeutrer dans la chaleur d'Avignon, fermer les volets, tout ça pour pouvoir recommencer le lendemain, c'était vraiment un régime de spartiate, enfin, c'était une discipline absolue à laquelle il fallait consentir, parce que je trouve qu'elle était... Elle allait avec l'œuvre, elle allait avec la folie du projet, donc ça nous demandait d'être un peu fou, un peu décalé, etc. Mais il n'empêche que à la suite de ça, on était un peu vidé, quoi. Et je me souviens qu'une des représentations très belles, d'ailleurs, je crois, à 4h du matin, il s'est mis à pleuvoir, comme ça, une petite pluie fine. Et moi, j'avais un faux crâne et un faux crâne. Et donc je transpirais énormément dessus, et quand j'ai senti le vent et la pluie se plaquer sur la sueur comme une plaque froide, comme ça, je me suis dit, ça, je suis bon, demain je suis malade. Et évidemment, on n'a pas le droit d'être malade quand on a joué le soulier de satin pour quelques fois au Festival d'Avignon avec des salles pleines. Et donc c'est ce jour, j'étais extrêmement angoissé de me dire comment allait finir la représentation et comment serait celle du lendemain. Et les gens étaient sous des parapluies, avec des duvets, etc. Et les gens, après, à la sortie, les gens ont dit « c'est une des plus belles choses de théâtre que j'ai jamais vues », etc. Et moi, j'étais meurtri par en le cachant. Par ces commentaires, parce que je me disais, demain, je vais être malade, je vais pas pouvoir jouer, etc. Et je pensais à Charlie Chaplin, quand, dans les Lumières, je ne sais plus comment s'appelle le titre, où c'est un clown qui tombe dans la grosse caisse, et tout le monde hurle de rire comme ça, et il s'est brisé les reins, et il ne pourra plus jamais remonter sur scène. C'était cette espèce de contraste entre le ressenti du public et la servitude du serviteur de scène. Hein. C'était très très dur à réconcilier en moi de façon positive. Mais vous avez conscience quand même que le personnage que vous jouez était encore plus énorme que tous les autres, parce que vous dites vous, la troupe, mais le personnage de Rodrigue quand même est monstrueux dans une pièce monstrueuse quand même. Oui, c'était un peu problématique aussi vis-à-vis de la troupe, parce que c'est un parcours tellement solitaire que dans la troupe, je me suis mis en solitaire aussi. Marginalisé oui. par ce groupe, de toute façon, avec lequel je ne pouvais jamais adhérer. J'étais toujours en rupture, en fuite, en partance, etc. Et je me souviens qu'à Chaillot, quand on l'a repris pendant certains moments, il y avait des acteurs qui redescendaient de chez Carrette avec des macarons, parce qu'eux, ils avaient eu un temps où ils avaient pu le faire. Et ça renforçait ce sentiment d'exclusion et de solitude qui était évidemment... C'est terrible, ça. Voilà. Mais je n'en voulais à personne. C'était totalement consenti, mais c'était vraiment des choses que j'avais à vivre. Oui, dans ce... Alors, c'est vrai que c'est un souvenir extraordinaire d'avoir joué ça. Mais pourquoi je dis que je n'ai pas eu autant de plaisir que j'aurais souhaité l'avoir, c'est parce que tout s'est fait en cavalcade. Tout s'est fait en urgence, en insécurité, en fragilité, etc. Et c'est vrai que pour une œuvre pareille, si on avait eu le temps, un peu plus de temps pour justement analyser les scènes, rêvasser davantage et pas être sans arrêt au charbon comme on l'a été, mais peut-être que l'entreprise n'aurait pas été aussi folle et n'aurait pas laissé autant de... Vous voyez, c'est Claudel qui dit qu'il faut faire ça. Voilà, aussi, c'est un peu ce que dit l'annoncier, c'est ce côté de brique et de broc. Et cette année, au Français, j'ai fait, dans une journée particulière,
un hommage à Barreau sur la création du soulier de satin en 43. Donc j'ai rassemblé tous les documents que je pouvais avoir sur cette période, notamment la correspondance entre Claudel et Barreau. Et j'ai retrouvé tous les souvenirs du soulier de satin, mais ça a été si fulgurant, cette aventure. C'est pour ça que le DVD, pour nous, c'était vraiment extrêmement important, parce qu'on avait l'impression que ce serait quand même une trace, que ça a existé, parce que ceux qui ont la mémoire de ces représentations vont disparaître petit à petit. Mais bien sûr qu'il a une vocation patrimoniale. Voilà, et je me dis, bon, oui, ça a existé, et bon, Claudel a beau dire que ce qui a existé une fois existe pour toujours dans les archives. Indestructible. Oui, bon, un DVD, c'est bien aussi, quoi. Oui, mais c'est quand même, enfin, oui, parce que quand même, ça reste, hein, quand même. Je veux dire, le soulier de satin, moi, je l'ai vu à Avignon, ça reste. Hein. Oui, oui, c'est... Il n'y a pas de problème. Ah, non, mais j'en suis convaincu, mais vous voyez, quand je parle à des élèves ou des jeunes acteurs... Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas très au courant, quand même. Non, mais parce que, aussi, la version, ça circulait vaguement sous le manteau. Ouais, comme autrefois en Russie, on se passait sous le manteau certains poètes et certains écrivains. Maintenant, ça va exister. Les jeunes générations vont pouvoir avoir accès à cette mémoire. Comme moi, j'ai pu avoir accès à des mémoires de Villard ou de Jouvet, par des filmages. Et justement, ce DVD que vous avez dû voir, sans doute. Non. Non. Oh, d'accord. Vous le conseilleriez à quelle dose, si vous avez une posologie à proposer. Il faut plonger dedans et s'en prendre pour 12 heures. Il faut le prendre en feuilleton, en série. Il faut traverser, comme nous l'avons fait, des profils de gens, parce qu'on a interrogé Robert Rinucci récemment et on a revu tout Camille. On a fait comme ça des profils. L'avantage du DVD, je veux dire, c'est que ça permet tous les parcours à l'intérieur. Vous pouvez effectivement parcourir à travers un personnage, parcourir à travers les journées, parcourir à travers les scènes. Voilà, et moi, les fois où j'y suis revenu, notamment quand Robin a refait certaines scènes de 10 ans après, où j'étais aussi, bon, c'est vrai que regarder certaines scènes, justement celle du chinois, pour savoir un peu comment ça se passait, etc., ça c'était devenu un instrument de travail. Donc je crois qu'il y a aussi l'immersion de se dire, comme certaines personnes l'ont fait au moment de sa diffusion, voilà, je m'installe, une bouteille d'eau, peut-être un verre de vin, je sais pas, puis on est bien, et puis on va faire du début jusqu'à la fin. Et tant pis si on dort un peu. Oui, comme on fait à la tétralogie de Wagner, ou comme on fait dans les spectacles de Bob Wilson, ou des choses comme ça. C'est des traversées théâtrales, le Mahabharata, enfin bon, il y en a de moins en moins, il y a des traversées de théâtre comme ça qui sont extraordinaires pour les amateurs. Alors, on s'est interrogé sur le fait que vous êtes désormais sociétaire à la Comédie Française. Oui. Et si on regarde votre année 2019-2020, on a l'impression que vous en êtes imposé un autre de soulier de satin, parce que l'alternance est absolument incroyable. Oui. C'est d'une intensité incroyable. On se dit, mais il y a encore du Rodrigue là-dedans. Enfin, oui, peut-être. Vitesse, d'ailleurs, la dernière année, était directeur de la Comédie Française et disait qu'il avait dit oui à cette proposition à cause de ça, par le fait que l'alternance fait que ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes...
Vous voyez, cette période de confinement qu'on vient de traverser m'a beaucoup interrogée parce que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie encore de faire du théâtre ou est-ce que c'est simplement une habitude dont je n'arrive pas à me défaire et qu'il faudrait peut-être y songer, etc. Et c'est vrai que les premiers 15 jours, ça s'est très bien passé, les deuxièmes 15 jours, la deuxième quinzaine aussi, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que j'appelais beaucoup les camarades pour dire « Mais alors, tu sais ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reprend? Alors, on reprend les Fourberies de Scapin ou pas ?» Et je commençais à m'échauffer un peu. Et là, j'ai compris que le carburant était encore là, quoi, le sang vif pour le théâtre était encore là. Et quand, il y a 7 ans, quand je suis rentré à la Comédie-Française comme pensionnaire, je me suis dit que j'étais prêt, que mon instrument était prêt et que jusqu'à maintenant, tout ce que demande la Comédie-Française aux acteurs, je n'aurais pas été capable de l'assumer vraiment. Cette histoire d'alternance, de reprendre des rôles sur un DVD, toute cette pratique professionnelle, comme ça, j'ai toujours essayé d'éviter de devenir un professionnel de la profession, mais vraiment d'être un acteur engagé dans un projet, dans une œuvre, quitte à ce que ce soit la dernière. Bon, j'avais cette chose-là en tête, de se brûler dans les projets. Et là, évidemment, c'était tout à fait autre chose. C'était, mais j'avais à apprendre beaucoup. Et effectivement, passer des damnés aux Fourberies de Scapin dans la même journée, matinée, soirée, voilà. Un espèce de grand écart, mais qui était un vrai challenge pour un acteur. Il faut le résoudre, il faut s'y confronter, il faut trouver la solution, parce qu'il va falloir le faire. Le public est là, ils ont payé leur place, on ne leur a pas donné un petit papier en leur disant, vous savez, un tel, il est fatigué, parce qu'il est un peu fatigué. Non, il va pas y aller et honorer la présence du spectateur. Et ça, c'est un tel stimulant. Pour moi, le public, ça reste. Et parfois, aux Français, je suis un peu interrogé par cette habitude qu'ils ont d'avoir des salles pleines. Moi, je sais, dans l'intermittence, de 50 ans, je sais ce que c'est que d'avoir des salles à moitié vides, je sais ce que c'est que de ne pas être payé parce qu'il n'y a pas assez de recettes, etc. Il y a toute une vie du théâtre que Antoine aimait et nous a fait partager à travers les Molières parce qu'on partageait la recette, on était très très peu payé à l'époque et quand il y avait plus de 100 personnes, on avait 10 francs de plus, quoi, mais c'était la vie de Molière, je veux dire, c'était... Et toujours, dans les théâtres, j'avais toujours un petit coin où j'allais regarder dans le rideau de scène, etc., le public, parce que ça m'émerveille. Que les gens aient retenu des places, et après une journée de travail souvent, veulent faire partager un moment de théâtre avec des enfants, des petits-enfants, avec des amis. Ils ont garé la voiture, ils ont peut-être prévu un resto après, tout ça. C'est cette espèce de... je trouve ça extraordinaire. Et quand on vit des périodes aussi troublées que les nôtres en ce moment, depuis les attentats, les grèves, les gilets jaunes, les mouvements sociaux, la pandémie, maintenant, je veux dire, cette ferveur pour le théâtre et pour la rencontre entre le spectacle, le théâtre et les spectateurs, je la trouve tellement extraordinaire et tellement précieuse. Moi, je ne vois pas de rencontre aussi belle, peut-être si à l'église, peut-être, et puis d'avoir... dans les lieux sacrés. Non, mais dans les lieux sacrés. Bien sûr. Mais quand même, le rite. Oui, le rite. Il y a quelque chose de sacré dans le théâtre qui ne m'a jamais quitté et auquel je tiens, et je ne vois pas pourquoi je quitterais, puisque je... Voilà. C'est comme ça que je vis le théâtre. Et l'initiative qu'a pris la Comédie-Française, justement, de mettre en ligne, pendant ce temps de confinement, tous ces spectacles auxquels on a pu avoir accès, qu'on n'avait parfois pas vu. Enfin, moi, je pense à Einstein on the Beach. Voilà, je n'avais pas vu, j'ai pu le voir à cette occasion. Enfin, vous en pensez quoi? Enfin, est-ce que vous...
Est-ce que vous pensez que c'est une belle initiative, une manière de continuer à maintenir les spectateurs dans un désir de théâtre? Écoutez, moi, je n'aime pas regarder le théâtre à la télévision. Julien, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas, je m'ennuie. Ben, bien sûr, oui. Je sais pas comment vous dire. Sauf les films, enfin, disons, les captations qui ont été faites comme du film, comme du cinéma, pas simplement. Parce que dans ce que la Comédie Française a projeté, il y avait un peu de tout. Il y avait des captations de régie, hein, qui sont des captations d'archives, et il y avait aussi des captations professionnelles qu'a fait Pathé Live, qu'a fait la télévision France 5, etc. Donc, qui étaient de qualité très, très diverse. Et moi, je m'intéresse assez peu à la mémoire du théâtre. Et je t'aurais raison, je n'en sais rien, parce que moi, le théâtre, il y en a d'autres qui s'y intéressent. C'est devant. Bien sûr. C'est devant. Alors, c'est demain, c'est pas hier. C'est hier quand je travaille un rôle. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai travaillé au Orgon, j'ai regardé toutes les versions de qu'il y avait eu de Tartuffe, y compris à la Royal Shakespeare Company, une version polonaise, etc. Parce que je voulais savoir comment c'était traité dans une autre langue, ou quand c'était traité il y a 20 ans, ou quand c'était traité par des troupes amateurs. Aussi, c'est une matière très, très intéressante. Mais m'installer devant un spectacle télévisé, je sais pas, je physiquement, moi, ça me perturbe, quoi. Mais je pense que c'est parce que je suis acteur. Oui, parce que c'est très problématique quand même, le théâtre. C'est le seul art, justement, où on n'avait pas la possibilité de connaître si on n'y était pas. Oui. C'est-à-dire que, bon, un roman, vous ne l'avez pas lu, on vous en parle, vous lisez, et puis vous arrivez à échanger avec quelqu'un qui a déjà lu le roman. Un film, vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir, etc. Ah, oui. Le théâtre, c'est quand même quelque chose. Mais si on prend le soulier, si on discute, toi et moi, toi tu l'as vu, moi je ne l'ai pas vu. Je sens qu'il y a quelque chose de chez toi qui est de l'ordre de l'intime et qui est pour moi plutôt de l'ordre du culturel. Enfin, Robin Renucci nous disait il y a deux ou trois jours que pour lui, le théâtre c'est de l'art et le DVD c'est du culturel. C'est une définition qui se tient. Et n'attendons pas de l'un ce que l'autre peut fournir. Voilà, mais quand le public me parle, par exemple, les retours qu'on a eus de ces soirées de spectacles diffusées à la télévision, justement, c'est extraordinaire. Alors, moi, je trouve génial que le public qui est en demande, qu'on puisse lui donner ça, qu'on puisse sortir les archives. C'est vrai que pendant cette période, je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas fait ça plus tôt, pourquoi ils n'avaient pas remonté. Et là, ça ne l'était plus. Voilà, Bérénice de Gruber, par exemple, comment ça se fait que ça n'est pas sorti plus tôt, qu'il a fallu cette période de pandémie pour qu'on le donne à voir. Et là, ce retour du public, disons, sur ces diffusions-là, est extraordinaire. Et effectivement, ça aide quand même à maintenir un lien avec le public, en plus avec toutes les pastilles, comme on dit, qu'on a été obligé d'enregistrer pour maintenir ce lien avec la troupe. C'était extraordinaire. Oui, parce que c'est le seul moyen qu'on a, finalement, d'avoir... Mais bien sûr. Tout petit goût de ce qu'on a raté. J'aurais dû commencer par ça plutôt que de dire d'abord que moi ça m'ennuyait ou que ça me créait des impatiences. Mais j'aurais dû commencer par ça parce que on fait pas du théâtre pour soi, on fait du théâtre pour le public. Enfin, on fait un peu pour soi aussi, mais je veux dire la finalité du théâtre sans public, ça n'existe pas. On a beaucoup de mal à travailler un rôle dans sa chambre, je veux dire, parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui vous écoute et qui vous regarde. On se sent un peu très vite. Un musicien, il peut travailler seul parce qu'il sait que s'il ne fait pas travailler ses doigts tous les jours, il ne sera pas capable d'affronter le public. Un danseur, pareil. Un écrivain, il peut se consacrer à la solitude de sa page ou même un peintre. Un acteur, s'il n'y a personne pour le voir ou pour l'écouter, c'est rien. C'est, c'est,
Bien sûr. On a vu depuis quelques années des spectacles qui, je trouve, ont tendance à augmenter en durée. 5 heures, 6 heures, 10 heures, 15 heures. Enfin, est-ce que vous croyez qu'il est temps de remonter le soulier ? Est-ce que vous pensez que le public est prêt pour cette durée à nouveau ? Pour cette durée, pour cette fréquentation longue, exigeante ? Moi, je crois qu'il y a... Je crois que les gens ont fait tout pour casser ce désir-là chez les gens, hein, par la consommation rapide, le jetable, le consommable immédiatement, le zapping, etc. Mais je crois que cette frénésie de ce mode de consommation culturelle engendre aussi l'inverse, c'est-à-dire une frustration et un désir profond d'autre chose, et qu'il faut aller devancer ça et faire des propositions courageuses, extravagantes, au niveau de la durée, au niveau de la forme, au niveau des lieux, je sais pas. Moi, je crois, oui, qu'il faut absolument le faire, parce que, vous voyez, au conservatoire, c'est ces jeunes qui ne correspondent que par SMS, avec un vocabulaire très particulier, avec une écriture que moi je ne comprends pas, des abréviations, des contractions de mots, etc. Ils sont en demande de vers, de travail sur l'alexandrin, sur la magie de la langue, sur le... comme ça, qui est très forte. Alors, ils sont zapping, mais ils sont autre chose aussi. Donc, le public aussi. Je pense que le public de théâtre peut être aussi, vous voyez, il y a encore très récemment, quand Ivo Van Hove a monté ses Shakespeare, les Shakespeare de guerre, voilà, qui duraient des aussi très très longtemps, c'était plein, c'était... Oui, c'était magnifique. Mais oui, c'était magnifique et c'était... non, il y a du public pour ça. On veut nous faire croire que non, mais moi j'ai dit que oui. Merci Didier Sandre. Non, je voulais dire autre chose par rapport à la comédie française, par rapport à l'alternance et tout ça. Ouais. Non, je crois que j'en ai parlé. Ouais, c'est bien. C'est assez chouette. Et vous pensez qu'il y a dans les tuyaux un soulier qui pourrait se monter, enfin... Oui. La comédie française. Oui, je crois que c'est un grand projet d'Éric Ruff, mais je ne sais pas si on peut vraiment le dire. On va recevoir Éric Ruff, on a un entretien avec lui. C'est sûr que c'est un peu un lieu où ça peut... C'est avec lui que je travaille la messe là-bas, bien sûr. Le Claudel. Et dans ce texte auquel je tiens beaucoup, ça se termine comme ça: au commencement était le Verbe. Et je pense que pour le théâtre, c'est un credo incontournable, et pour Éric aussi. Alors, en tant que directeur, en tant qu'administrateur général, il est parfois obligé de mais profondément comme être, il est passionné par la langue, par le langage, par la langue théâtrale. En tout cas, moi, je pense que dans cette époque-là où on a virtualisé beaucoup nos relations, où on a été justement confinés, isolés les uns des autres, se plonger dans du Claudel, dans cette catholicité au sens premier, quoi. Oui, oui. Et puis dans ce verset, dans ce souffle, enfin, ça serait une thérapie formidable. Ouais. Enfin, moi, j'y crois beaucoup à ça. D'autant, comme vous le disiez au début, il y a ce langage de Tardenois, de ce côté glaiseux de la langue, que j'aime beaucoup, et c'est beaucoup cette autodérision aussi, hein, je dirais. Il y a beaucoup d'humour, je veux dire, dans ses échanges avec Dieu, il y a quand même un téléphone rouge, une ligne directe entre Dieu et lui, bien et sûr. Tout ça, c'est quand même assez marrant, c'est quand même assez drôle. Il avait ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Monty Python, quoi. Enfin, oui, quelque chose de très trivial, de très... Tout à fait, mais son influence du théâtre japonais, vrai, du théâtre chinois, etc. aussi, où il y a le grotesque. C'est la scène entre Léopold Auguste, la scène sur l'éducation et les grammairiens dans le Soulier de Satin. C'est un chef-d'œuvre, c'est une chose incroyable d'avoir écrit ça. Oui, c'est vrai.
Et dans, même dans la traversée que vous faites de Rodrigue, où au départ, vraiment, le verset est dit de manière impeccable avec toutes les syllabes, oui, tout ce qu'il faut, et à la fin, dans la quatrième partie, ah ouais, vous mangez les syllabes, ah les ouais, R, ouais, etc. Et on voit la transformation du personnage simplement. Avec Valérie Dréville aussi. Oui, c'est ça qui est absolument. Ah, mais cette scène avec Valérie, avec cette épée, moi. Ah ouais. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce que on vous sent. À la quatrième journée, complètement épuisée. Ouais. Et elle arrive à bloc parce qu'elle est juste sur la quatrième journée, quoi. Toutes les piles sont rechargées. Et ce contact entre un épuisement et une hyper juvénilité, enfin, je sais pas, je trouve ça, je trouve on a l'impression de deux prises qui s'emboîtent. Et je crois, moi, je ressens même dans la captation que vous pompez de l'énergie de Valérie. Enfin, j'ai l'impression que. On se fait un film aussi en tant que spectateur, oui, hein, un roman. Mais c'est aussi l'énergie quand de cet amour sur lequel on ne peut plus communiquer, les larmes que contient mon cœur, la mer ne serait pas assez grande à cause de celle qui n'est pas là. Bon, tout ce qu'elle est. Les prouesses est entre vous deux, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, c'est magnifique parce que. Parce que Rodrigue, devant l'énergie de cet enfant, peut pleurer. Enfin, oui. Enfin. Et elle lui dit, allez, on pleure pas, on se mouche et on se lève. Courage, allez, la bouchère. Courage, voilà, c'est ça. Et donc, pour un papa, disons, c'est tellement extraordinaire que son enfant vous botte les fesses pour se reprendre et arrêter de chialer et de se lamenter, etc., et de passer à autre chose. Mais il y a une dimension qu'elle n'arrive pas à comprendre, cette épée, parce qu'elle est ici et maintenant, et lui, il est déjà en partance. Antoine Vitez l'a fait marcher sur l'eau quand même, hein. Oui, elle est prête au miracle, hein. Oui, quand vrai. Elle rejoint Jean d'Autriche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle est prête, elle aussi, pour la sainteté. Mais elle est d'une spiritualité... toute tardenoise. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, une spiritualité... vous savez, comme les religieuses, les carmélites, qui sont gays, parce qu'elles sont habitées... Quand je suis allé dire la messe là-bas, dans l'abbaye du Pesquier, là où est René Nantais, J'ai rencontré des novices qui n'avaient pas encore les cheveux coupés, etc. C'était bouleversant parce qu'elles sont dans une joie, dans une lumière qui est extraordinaire. Oui, extraordinaire. Vous parlez du Bernin. Et je me dis, mais mon Dieu, cette vie qui se trace pour elle, etc. Je voyais ça un peu terrible. Et devant cette joie qu'elles ont, il n'y a plus qu'à s'incliner. Hein, voilà. Et cette épée, elle a ça. Oui. Elle a cette espèce d'énergie de la novice qui est inébranlable dans sa foi et dans la lumière qu'elle reçoit de sa foi. Et Rodrigue, lui, il est déjà dans le doute. Il est déjà même... oui, dans le retrait, même ça, il n'est plus très sûr. Alors que cette épée, elle l'est complètement. Il est merveilleux, ce personnage de cette épée, joué par Valérie Dréville. Mais Claudel est quand même dans la joie, hein, de toute façon, dans sa... Ben non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, disons qu'il essaie de s'en persuader. Ah bah oui, mais c'est très différent. Il essaie de s'en persuader. Il choisit la joie. Oui. À un moment donné, il décide la joie. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être dans la joie. Parce qu'il y a toujours un moment donné où décider d'être dans la joie, il y a le boomerang. Il y a le boomerang qui vous renvoie par terre. Là, je suis en plein dedans avec la messe là-bas. Hein, parce qu'il ne va pas très bien en 17. Oui, puis il y a du Camille, sœur, dans... Oui, dans, oui. Ah, oui, oui. Dans Paul, quoi. Enfin, bien sûr. Rodrigue qui boite, Camille qui s'appelle Camille, enfin, elle est partout. Et j'ai même lu des choses très très belles où il conseille, c'est à l'époque de Barreau, il conseille dans une scène de jouer comme
dans une posture qui reprendrait une oui, une statue de Shakuntala. Mais oui. Shakuntala, elle Dieu, dit « va chez Madame Berthelot, va chez les Berthelot, il y a la statue de il y avait la statue de Camille et je veux que ce soit comme ça. » Oui, oui, absolument. C'est Shakuntala. Ouais. Donc il y a du théâtre chez Camille et il y a de la danse chez Paul. Oui, quoi. Puis Camille, elle adorait le petit Paul, hein, je veux dire. Oui, le buste témoigne de son amour. Bon, alors j'espère que je n'ai pas été trop bavard. Ah non, non, mais de toute façon, c'est un plaisir, il n'y a pas de problème. C'est une bavard, pas de problème. Tout va bien, c'est merveilleux. Vraiment, et puis ça met, chaque fois qu'on interroge comme ça, ça met la personne qui a vécu ça dans une espèce de retour à ce temps initiatique. C'est très, très particulier. Oui, oui, c'est vrai. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé là entre vous. Oui. D'une ecclésia, quoi, enfin, ouais. De quelque chose. Oui, 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 tout voilà. À fait, tout à fait. C'est Jeanne Vitez qui me disait que quand elle rentre dans une salle de théâtre et qu'elle voit qu'il y a Didier, oui, Philippe, oui, absolument. Elle se dit, tiens, ce soir nous sommes quatre. Oui, oui, oui. Oui comme oui. Si on pouvait le rejouer, quoi. Oui, oui. Peut-être qu'on pourrait le rejouer à l'entracte, comme ça rapidement. Oui, oui. C'est merveilleux, ça, quand oui, même. On a eu ça longtemps aussi avec les Molières. Les Molières aussi, la famille. Donc ça, c'est vitésien quand oui, même, oui, alors. Complètement. Complètement. D'accord. Oui, oui. Il n'y avait pas ça chez Patrice Chéreau, avec qui j'ai travaillé aussi. Il n'y avait pas ça. Ça jubile entre vous, quand même. Ouais. Oui, il y a une espèce de, oui, oui, de fraternité, comme ça, un peu sportive, un peu, on pourrait dire boy scout, ou je ne sais pas quoi, si on a envie de tourner en dérision. Alors que chez Patrice, par exemple, on était vraiment seuls, on était isolés, le groupe ne l'intéressait pas, la connexion entre les êtres ne l'intéressait pas, il s'intéressait à la solitude, à la sienne, et puis à celle des acteurs. Il allait chercher où était la solitude de l'acteur et ce qu'il avait à en dire à travers un texte, à travers un personnage. Chez Antoine, il dit, non, Antoine n'était pas comme ça. C'était un autre théâtre. Et puis Antoine, oui, faisait totalement confiance à la langue, ce qui n'était pas le cas de Patrice. Et en plus, il faisait confiance à ses acteurs. Alors, je ne sais pas si c'était la même chose avec Chéreau. Non, Chéreau, il faisait... Quand il choisissait les acteurs, on pouvait être sûr que c'était un vrai choix. Hein. Parce qu'il pouvait avoir qui il voulait. Donc, oui, c'est vrai. Donc, si on non, était mais ce choisi... que je veux dire, dans la façon de laisser une liberté plus grande aux acteurs, enfin, Vitesse, on a l'impression qu'il laisse faire. Ah quoi, oui, oui. Vraiment. Oui, il pense vraiment que l'acteur est un créateur, voilà. Est un créateur voilà. Possible. Alors que Patrice, non, il fallait rentrer dans sa moulinette quand même, dans son petit hachoir. Mais on pouvait en sortir grandi aussi, je veux dire, mais il y avait des acteurs qui en sortaient détruits. Mais d'autres acteurs en sortaient grandi aussi d'être passés par ce sas. Qu'il imposait, bien sûr. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Nous aussi. Merci de ce... Oui, parce que c'était quand même des très très beaux spectacles, tout ça. Hein, oui, tous, bah, c'était belles années. Hein. C'est vrai.